Gris dans l'air et une pluie incessante. Pas de quoi démotiver les coureurs pour autant. Au programme aujourd'hui, 55 km en VTT et une dizaine autour du lac de Charpal, en marge ride. Beaucoup de verdure, très roulant, parce que nous, on vient des Alpes-Maritimes et c'est plutôt cassant, petit single chemin. Donc c'est complètement différent des habitudes de roulage, quoi. On avait un petit peu de vue ce matin, un peu de visibilité. Et puis les chemins sont chouettes, les forêts, non, tout cool, très bien. Ils sont 120 coureurs venus de toute la France, tous personnels du SAMU. Alors deux jours de raid en Lozère, c'est une bouffée d'air frais en plein cœur de la crise. Depuis 3 mois, les urgences sont en grève. Ça nous fait plaisir d'être ici aussi pour être en dehors du boulot, quoi. Puis pouvoir être dans la nature, penser à autre chose, les problèmes, ce sera quand on rentrera au boulot la semaine prochaine, quoi. Ça fait partie du jeu aussi de se retrouver pour la même profession, pour faire des raids comme ça, ça soude, ça encourage. Et c'est pas parce qu'on est là qu'on n'est pas solidaire. Solidaire, il faudra l'être aussi pour remporter cette compétition. Chaque épreuve se relève par équipe de 3. Demain, les coureurs alterneront entre VTT et courses d'orientation.